En 2009, je suis invité par Vincent Baudrier à assister à une représentation du spectacle d'Israël Galvan, ce grand danseur de flamenco, El final de este estado de cosas, qu'il danse dans la carrière de Boulbon. Et il y a ce moment où il est debout sur une sorte, sur la scène. Peut-être ma mémoire me joue des tours, mais c'est pas grave. En même temps, le souvenir que j'en ai est si beau. Je crois qu'il est sur une très très grande table. Il y a énormément de chaises avec des verres, des carafes, comme si c'était une terrasse de café. Et il commence à danser sur place, à percuter le sol de ses pieds, comme dans le flamenco. Et petit à petit, il danse de manière de plus en plus frénétique et peu à peu, il écarte de son centre, il écarte toutes les chaises, toutes les tables, les bouteilles et tout tombe à l'extérieur du cercle de jeu. Cette image-là, de cette montée en puissance de ce corps de Galvan, qui est un corps très particulier parce qu'il est très très musclé, mais il est un peu rond, il a un peu de brioche. Donc il y a quelque chose par quoi on ne l'identifie pas tout à fait à un danseur. Et il reste sur place. Et je crois qu'il développe une puissance démente. Et à la fin, il fait un saut sur place, où il monte, dans mon souvenir, il monte à 2 mètres. Mais en fait, je crois que c'est juste à 1 mètre. Mais c'est absolument, l'effet est prodigieux. À la suite de ce spectacle, Vincent me présente Israël Galvan. Et je le vois, mais dans un tout petit coin d'un Algeco. Et il est assis dans un seau de glace. Où il fait tremper ses genoux. Il me dit, dans un demi-français espagnol, qu'il a besoin de rester 45 minutes dans ce seau, ce bain de glace, pour pouvoir surmonter les tensions que lui occasionne le spectacle. Et Georges Didier Huberman a écrit un livre absolument magnifique, Le danseur des solitudes, un livre sur Galvan que j'avais lu, qui fait que Galvan devient pour moi à ce moment-là un artiste d'un genre absolument unique. Il est le seul de sa catégorie. Je ressors de cet Algeco absolument bouleversé.